Lierse Gantoise, profusion de buts garantis. Le Lierse en a marqué 16, la Gantoise 17. Ce sont les deux meilleures attaques de D1. Autre fait notable, Walter Meus aligne 9 Belges dans son équipe type. À Gand, c'est exactement l'inverse, 9 étrangers. L'arbitre est Monsieur Romain. Ramčić. Longue balle à suivre pour Arst. Attention, cette était dangereuse. Il l'a touché avec la reprise de Nielsen et le save de Demann après seulement 3 minutes de jeu. Joly était à la reprise. À l'origine, le long changement signé Ramčić. La tête de Arst pour le pied de Nielsen. Et la détente réflexe de Demann. Première alerte après 3 minutes de jeu. Signé la Gantoise. Gacher qui s'enfonce sous le flanc droit. Il a trouvé Karif, le français. Bon relais avec Skeppens. Le tir. Il était cadré. Mais directement dans les gants de Patrick Demann. Possibilité peut-être avec le centre. Juste au-dessus de Cavens. La récupération de la Romans. Qui va recentrer. Et cette fois c'est Van de Weyer. Et tout le monde est passé en dessous. Ce n'est pas terminé. Dams pour recentrer. Van Meer au premier poteau. Et Erpoul qui s'interpose. Il y avait le feu dans la maison gantoise. Karif qui a vu Skeppens. Il est rapide. Demann obligé de sortir. Et l'erreur de Cheikh Ladzim, si je n'ai pas compris, le but signé Günther Skeppens. Il y a une énorme mésentente entre Cheikh Ladzé et Demann. Skeppens pour ouvrir la marque après 32 minutes. Les contres dangereux, on l'avait assez dit. Et rapidement mené des Gantois. La passe en profondeur de Karif. Cheikh Ladzé qui attend, Demann qui attend également. Skeppens ne se pose pas de questions. Et il est parti pour évidemment expédier cette balle dans les filets. Le but vide et le but d'ouverture est signé Skeppens après 33 minutes de jeu et il est gantois. Et il y a eu un coup là entre Vazov et Cavens qui se roule à terre. Il y a de la fébrilité dans ce match depuis quelques instants déjà. Le public niérois n'aime pas l'anti-football comme il dit des gantois. Monsieur Romain qui s'en va consulter son juge de ligne. Cavens toujours à terre. Monsieur Romain qui appelle Vazov. Et ça va être la carte rouge. À 7 minutes du terme de cette première période. Il y a eu un coup décoché par Vazov à Cavens. Le duel entre ces deux hommes était particulièrement intense et engagé depuis le début de la partie. La Gantoise réduite à 10. 6 minutes après le but d'ouverture de Skeppens. Le Lierse avec Snooks qui a bien trouvé Cavens à nouveau expédié au tapis. Et le coup franc dangereux dans l'axe. Quelques secondes après l'expulsion de Vazov, possibilité intéressante avec ce coup franc pour le Lierse à 5 minutes de la fin. Le tir de Van Meer directement dans le but. Erpoul pris à contre-pied, l'égalisation immédiate du Lierse. 8 minutes après le but d'ouverture de Skeppens. Quelques secondes après l'expulsion de Vazov. Van Meer qui rétablit sur coup franc et c'est déjà le second de sa saison. De but victorieux sur coup franc qui rétablit l'égalité. C'est le quatrième but de Van Meer et qui rétablit évidemment l'équité au score. À 4 minutes de la fin de cette première période, Lierse Gantoise, un but partout. Long centre de Snooks avec Cavens au deuxième poteau. La belle reprise, magnifique. La reprise de volée croisée signée Van de Weyer. Et on sentait depuis quelques instants la supériorité numérique du Lierse s'exercer. Le long centre à suivre de Snooks au-dessus de Cavens. Et Van de Weyer laissé complètement seul évidemment. Qui reprend cette balle de volée hors de portée de Erpoul. En quelques instants, ce match a pris tournure. Et le Lierse va donc rentrer au vestiaire avec cet avantage. Et l'avantage également numérique. Le tournant du match, véritablement, l'exclusion de Vazov après 35 minutes de jeu. Au repos, 2 buts à 1 pour le Lierse. Avec Cheikh Ladzé qui est passé pour Zdebel, il va tenter le tir, tir bolide et la belle détente d'Erpoul. Ce tir partait directement dans le but côté poteau gauche. Guéchard, la longue chandelle vers Arst qui se bat. Et on se bat là au milieu, la possibilité avec Arst. Le rétro était cadré et il y avait la Snooks pour sauver le but liérois à nouveau délaissé par Demann. On revient chez Zdebel.
pour un deuxième centre. Il a crocheté le centre-tir qui passe devant tout le monde. Van Meer était là-bas au deuxième poteau. Attention à la vilaine faute ici de Gacher. Par derrière sur Zdebel et ça va être la deuxième carte jaune de Gacher, effectivement. Deux jaunes égale une rouge. On joue des arrêts de jeu, la dernière possibilité avec ce coup franc de Joly. Il en a déjà marqué des comme ça. Et non, de Man qui écarte le danger. La victoire donc pour le Lyrs sous le plus petit écart, un match qui n'aura pas tenu toutes ses promesses. La Gantoise, il est vrai, est venue ici avec des conceptions plutôt défensives. Le tournant après la demi-heure, l'exclusion de Vazov qui aura permis au Lyrs de réémerger et de contrôler ensuite cette partie. Le Lyrs conserve donc son leadership et c'est l'essentiel qu'on retiendra ici à la chaussée du Lyrs. Le score final 2-1.